Ce bracelet veut vous faire bouger. Le Up, proposé par la société américaine Jawbone, est un coach électronique qui mesure votre activité physique tout au long de la journée. Et la nuit, il veille sur votre sommeil. Explication. Les coachs électroniques sont apparus il y a un peu plus de 2 ans aux États-Unis. Les plus connus sont les produits de la marque Fitbit, comme celui-ci, le Wand. Ce petit appareil qui coûte 100 euros se glisse dans la poche. Ces capteurs mesurent le nombre de pas que vous faites, le nombre d'étages que vous grimpez, les calories que vous brûlez, et il envoie les informations à votre smartphone via Internet. L'idée, c'est qu'en mesurant votre activité physique, vous vous motiverez pour avoir une vie plus saine. Le bracelet Up, qui arrive en France ces jours-ci, coûte quant à lui 130 euros. Il reprend la même idée, mais il fait du coach électronique un accessoire de mode. On ne le cache pas dans une poche, au contraire, on est censé l'arborer fièrement. Il existe en 8 couleurs, du noir le plus sobre au rouge le plus vif. Le Up se referme autour du poignet et il est suffisamment confortable pour qu'on l'oublie assez vite. Heureusement, car pour que les mesures soient correctes, il faut le porter en permanence. Le jour pour mesurer le nombre de pas, et même la nuit, car il interprète les mouvements du corps pour compter les phases de sommeil léger ou profond. Contrairement au Fitbit, Up ne possède pas d'écran. Il n'y a que 2 diodes pour indiquer s'il est en mode jour ou en mode nuit. Pour accéder aux données, il faut le brancher à un iPhone ou à un smartphone Android et lancer une application. C'est avec cette application que l'on se fixe des objectifs, par exemple marcher au moins 10 000 pas par jour ou dormir 8 heures par nuit, et que l'on sait si on a réussi à les atteindre ou pas. Pour les plus mordus, l'application permet aussi de noter son humeur et ce que l'on mange dans la journée. Mais là, rien n'est automatique, il faut penser à tout ajouter au fur et à mesure. En conclusion, je me garderai bien d'avoir un avis définitif sur l'utilité de ces nouveaux objets. Certains médecins pensent qu'ils peuvent être utiles, notamment dans le cadre d'un régime, d'autres se montrent plus sceptiques. Pour ma part, j'avoue que porter le bracelet Up pendant quelques jours m'a incité à marcher davantage, un effet que j'avais déjà ressenti avec les produits Fitbit. Dans le même temps, j'avoue que je ne me sens pas assez motivé par ma santé pour porter ce genre d'appareil 24 heures sur 24.